Je suis un et multiple. Produits, soins, diagnostics. Je suis en perpétuelle évolution. DNA Generation, je suis de la rencontre entre deux familles. Le nom de la première est lié à l'invention de la cosmétique cellulaire. La seconde, créatrice de Valmont, recherche la perfection. Ravie de vous rencontrer. Bonjour. Vous êtes une personnalité dans le monde de la cosmétique. Alors, je crois avoir l'honneur d'être la plus vieille cosmétologue. La doyenne de la cosmétologie. La doyenne, oui, absolument. Ça, j'ai une première société que j'ai revendue pour faire uniquement de la recherche. Ce qu'au fond, c'est ce que j'aimais faire. Surtout, ce que j'aimais faire, c'était étudier les matières premières. Oui. Alors, pour vous, c'est quoi la cosmétique cellulaire? Dans les années 80? Oui, à peu près. Il y a eu vraiment mon intérêt pour la cosmétique cellulaire. Moi, j'étais appelée par le biologiste de la clinique de Niance pour apporter une contribution chimique et cosmétique dans la création de quelque chose avec ce principe actif merveilleux existant dans les cellules fraîches, le principe de la cellulothérapie. Et à ce moment-là, j'étais contactée par les gens de Valmont. D'accord. C'était les années 80, quelque chose comme ça. 84-85, c'est ça. Et cette clinique adorable, à Glion, au-dessus de Montreux. Il y avait un renouveau dû à l'aspect de la clinique, aux gens, à l'atmosphère. L'atmosphère était différente. Oui, il y avait une certaine atmosphère dans cette clinique. Absolument. Une sorte de dolce vita. Oui. Le challenge relevé par 4 cosmétologues de renommée internationale. Je suis le fruit de la compétition de leurs équipes de recherche. Vous avez été la mère des formules Valmont, notamment. Au bout de 25 ans maintenant, la marque s'est développée, a conservé ses racines en respectant l'impulsion que vous lui avez donnée. Oui, tandis que... Et ce que nous souhaitions, c'était garder la richesse
de ses origines à la marque, en lui insufflant un certain vent de modernité. Donc aujourd'hui, pour créer une nouvelle génération, qu'on appelle génération ADN, oui, nous avons sollicité nos plus proches partenaires, dont Intercos avec CRB, dont Pentafarm, que vous connaissez certainement. Très bien. Blue Sky également, et George Tchoka, que vous connaissez tout à fait. Ils ont donc des noms de référence dans notre métier. Absolument. Mon cocktail intègre les meilleurs peptides. J'offre ainsi à la peau un menu anti-âge total. Mes formules complétées renouvellent l'excellence pour maîtriser les signes visibles du temps. Nous avons initié ce programme en 2007, déjà, 2007. Nous avons sollicité nos quatre partenaires à composer chacun un cocktail pour moderniser les formules existantes. On voulait renouveler et profiter des avancées de la science entre 80 et vous avez très bien fait parce que dans les anciennes formules, il y a toujours quelque chose à garder. Donc chacun crée un cocktail qui va être objectivé sur un panel d'une centaine de femmes. Ce cocktail est intégré selon la concentration souhaitée par les créateurs, les initiateurs, et nous voyons le résultat par objectivation avec un laboratoire neutre. Et c'est le cocktail de CRB qui sort vainqueur. Ce cocktail est composé de peptides, ce qui est tout à fait logique dans notre vision, puisque nous avons considéré que la peau est un organe qui a besoin de vivre, et pour vivre, elle doit se nourrir, elle doit boire. Et dans cette partie nutritionnelle, nous considérions que l'ADN était la partie du sucre complexe. Et le complexe de peptides va apporter les protéines. Va apporter et va aider l'efficacité des absolument. Au-delà de cela, nous avons aussi souhaité apporter une partie lipidique sur la membrane de sphingolipides d'ARN liposomé que nous allons intégrer. Les besoins de la peau. Mes sondes d'hydratation, d'élasticité et de mesure des rides scrutent l'épiderme et le derme. J'établis le Global Skin Aging Profile. Je détermine scientifiquement le rituel de soins quotidien le plus adapté et je détermine le meilleur traitement. Mon soin emblématique métamorphose la peau, je transcende l'art du massage et célèbre l'envol du papillon. Je mêle les traditions ancestrales, j'intègre les techniques modernes de modelage et je fonde une gestuelle.